Comme d'hab, je suis en retard, mais c'est parti, on y va. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, vlog dans ma peau. Là, je vais prendre le tram, si je l'ai pas raté, ça s'est pas dit. Et voilà, c'est parti. Ça y est, je viens enfin de rentrer chez moi. Donc là, je vais manger parce que j'ai super faim. Je vais manger, il me reste une petite quiche que j'avais faite. Manger, me changer et après je vais aller à la salle. Bonne résolution 2023, reprendre le sport. Coucou Mimine. Coucou ma fille, tu dis bonjour? Ouais. Du coup là, ouais, bonne résolution. Bah comme tout le monde, hein, comme tous les ans, pour pas y tenir sur la durée, mais c'est pas grave, on fait genre. Donc retourner à la salle, aller au sport et manger moins de la merde, parce que là c'est... ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut se reprendre en main, en sport, en bouffe et en travail. Donc c'est parti, je vais manger, j'ai faim. Ma fille, oui, ma beauté, tu miaules trop, toujours. Bon, après avoir mangé et m'être, je vous avoue, un petit peu échouée dans mon lit pour faire une... Non, j'ai pas fait une sieste, mais je me suis un peu échouée dans mon lit, j'ai un peu traîné sur mon téléphone. Là, à l'heure qu'il est, je devrais déjà être à la salle et comme vous pouvez voir, je n'y suis toujours pas. Mais je me suis habillée, je suis... prête à partir. Voilà, Marine toujours en full black. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je vais prendre mes clics et mes claques. Et c'est parti quoi. On va aller bouger son gros cul un petit coup à la salle. Ça fait longtemps, ça va pas faire de mal. C'est parti mon kiki. Bon, ça y est, je viens de rentrer du sport. Je suis chez moi. Quelle heure il est? 16h30.
Et bah là du coup je vais me mettre un petit peu à travailler. Mimi, ne frotte pas à la caméra, ça va tomber. Du coup en travaillant je me suis préparé une petite boisson chaude. Moi quand je travaille j'aime bien écouter de la musique, j'écoute du piano. Je me suis fait une petite playlist de piano que j'aime beaucoup. Je vous la mettrai ici sur Apple Music. Je crois que mon compte il est en public et que du coup vous pouvez voir mes playlists. Voilà, je vous le mettrai là si jamais. Niveau organisation, là ce que je vais essayer de faire, donc voilà, nouveau semestre qui a commencé. Voilà, on est donc lancé sur un nouveau projet dans mon école d'archi. On est sur la rénovation d'une villa à Annecy. On a fait la première phase de projet là il n'y a pas longtemps. Donc là on entre dans une nouvelle phase de projet avec la prochaine phase de rendu, c'est le 20 février. Donc avec une nouvelle liste de choses à faire, de plans. J'ai toute une liste de choses que je vais devoir faire pour ce projet jusqu'au 20 février avant le rendu, avant le prochain oral. Donc du coup pour m'organiser, ce que je vais faire c'est que sur mon petit carnet je vais réécrire toutes les choses qu'il va falloir que je fasse pour vraiment avoir bien un visu avec les dates, etc. Pouvoir cocher au fur et à mesure, donc faire une to-do list en gros des choses importantes pour mon projet. Et à côté, une autre petite to-do list des choses qui peuvent se rajouter voilà, un petit peu en cours de route, du genre un exposé, un truc par-ci par-là, parce que j'ai pas que ce projet, des fois j'ai des petites choses à côté. Donc la grosse to-do list du projet avec une deadline et des petites listes d'autres choses à faire. Donc voilà, je vais déjà faire ça. Je vais déjà faire ça et après je vous montre. C'est bon, j'ai fini mon petit carnet. Oula, vous êtes perdu. Du coup, je me suis aidée, donc j'avais un PDF sur ma tablette avec tout ce que j'avais à faire. Je me suis aussi aidée de mon iPad parce que c'est là où je marque avec Google Agenda. Très pratique parce que comme ça on a vraiment une vision sur tous les mois, il y a des couleurs et tout, c'est super, moi j'adore. Pour voir par rapport à mes deadlines. Et mon petit carnet, voilà, donc avec toutes les choses que j'ai à faire, plus ou moins, voilà, dans l'ordre, en sous-parties vraiment très 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 détaillées. Comme ça, à chaque fois que j'ai fait un petit truc, je peux le cocher, même si c'est un petit truc, je peux le cocher, parce que cocher un truc sur une to-do list, il n'y a rien de plus satisfaisant, on aime. Donc, mon petit carnet d'organisation pour ma phase de projet, là, est faite. Maintenant, je vais travailler sur mes plans. Voilà, sur mon ordi, sur AutoCAD pour les connaisseurs. Ce matin, du coup, en cours, vous m'avez vu, j'ai eu 3 cours ce matin, j'ai fini à midi, j'ai eu une petite journée. J'ai eu un cours de communication que je vous ai pas filmé parce que c'était des exposés et voilà. Après, on a eu cours, du coup, de SketchUp. Ah bah tiens, voilà, c'est ce que j'ai encore là tout à l'heure. Voilà, SketchUp, donc modélisation en 3D, ça fait pas très très longtemps qu'on a commencé le logiciel, c'est sympa, je galère un peu sur certains trucs mais ça va, c'est vraiment chouette du coup de commencer un peu à passer à la 3D, parce que voir les choses en 3D c'est pas du tout pareil que quand on trace des plans à plat, là on voit les choses différemment, c'est trop trop bien. Et après ce matin j'ai aussi eu un petit cours de croquis, un petit exercice où on avait un peu en gros des pièces avec des choses dedans, genre un lit, une salle de bain, machin, une plante, et il fallait créer la pièce, y redessiner assez rapidement en croquis. Moi j'ai rajouté un peu de colo vite fait. Voilà, petit exercice de croquis. Et là du coup je vais continuer les plans de mon projet sur AutoCAD, puisque j'ai des petites choses à modifier sur le projet. Il y a un endroit où il y a un espèce un petit peu de balcon, mais moi j'ai envie de le transformer en véranda.
Du coup là, je vais un petit peu avancer ça parce que j'ai des petites choses à corriger. Là, j'espère que je pourrai barrer des choses dans ma to-do list. Ça y est, j'ai fini de travailler. Il est bien plus tard, comme vous pouvez voir. Oh, il est bien plus tard. Quelle heure il est? 18h. Et donc, bah voilà, là je vais arrêter de bosser. Je vais aller me prendre une douche parce que je suis voilà, à la salle tout à l'heure. Une petite douche. Après, je vais manger. Je pense que je vais pas manger tard parce que j'ai faim, mais je sais pas ce que j'ai mangé. Petite douche, petit skincare, petite routine, tout ça, petit repas. Vraiment, je sais pas ce que je vais manger, j'ai faim. Mais de 1, j'ai plus rien dans mon frigo. C'est la hesse, parce que oui, les courses, ça coûte cher. Là, c'est la hesse, et faut pas que je bouffe trop de la merde. Là, actuellement, dans mon frigo, il y a que des cordons bleus. Donc, ça va être vite réglé. Et après, bah, soirée petit film. Voilà. Allez, Marine, on va se laver les fesses. C'est parti. On mange quoi ? Ça y est, je suis prête, lavée, cheveux lavés au naturel parce que j'ai un peu eu la flemme de les sécher pour l'instant. Donc voilà, ce soir ce sera bouclette, faudra que je me les lisse demain. Donc voilà, lavée, douchée et là je vais aller me faire à manger. J'ai faim mais j'ai la flemme donc je pense que je vais juste me faire... une petite soupe, un petit bouillon vermicelle parce que j'adore ça. Donc voilà, et après je vais me poser devant un film, une série, un truc. Je pense que j'ai pas envie de me coucher trop tard, il est 19h30. J'ai pas envie de me coucher trop tard, j'ai envie de dormir tôt. Donc voilà, c'est parti. Je me suis installée pour manger ma petite soupe. Je pense que ça doit être un peu chaud. Je me suis rajouté des... J'avais du pain un peu rassis. Du coup, j'ai mis des petits bouts dedans. Je me suis mis devant les Marseillais. Enfin, le cross. Je vous avoue qu'avant, je suivais de ouf. J'adorais vraiment genre les Marseillais, les émissions de télé-réalité et tout. Et là, vraiment, genre le cross, j'ai dû regarder peut-être la première semaine et encore. Et après, j'ai décroché totalement, là j'ai repris là en cours de route, j'ai 10 000 épisodes de retard, il n'y a plus les mêmes gens, je comprends plus rien. Mais ouais, je trouve que ça s'essouffle un peu, c'est toujours pareil, je commence à en avoir marre, c'est dommage. Sur ces belles paroles, bonne app. Bon les gars, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Quelle heure est-il? Il est 22h. J'ai pas du tout regardé ni de film ni de série, j'ai juste traîné sur mon téléphone, sur Insta, YouTube et tout, comme d'habitude. C'est pour ça que je n'ai actuellement aucune série en cours, aucun film, rien, parce que voilà, c'est, je finis de manger, je traîne sur mon téléphone, je me dis que ça a duré 5 minutes et au final ça dure 2 heures. Donc voilà. Donc je vais vous laisser, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai eu une petite absence pendant un petit moment parce que j'avais besoin un petit peu de retrouver un peu mon rythme avec les cours, l'école, etc.
Mais là, voilà, 2023, ça revient. Je vais essayer de reprendre vraiment les vidéos. Et là, c'est ma caméra qui est en train de me dire, Marine, ferme ta bouche, j'ai plus de batterie. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Franchement, j'aime trop, 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 trop lire vos commentaires. Si c'est pas déjà fait, tu peux me suivre sur mon compte Insta. Je te le mets juste ici, @marinebeny. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. D'autres vidéos arrivent. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!